Bonjour à tous, c'est Furtif et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tutoriel sur ma chaîne YouTube. Et ce tutoriel, ça va être sur Sony Vegas et je vais vous apprendre à convertir une vidéo en image qui n'est pas très très simple à faire et que j'ai trouvé de moi-même. Ce tuto va essayer d'être envoyé à MafTuto qui a atteint les 25 000 abonnés et que je leur félicite. Donc voilà, là on va passer au tutoriel. Donc vous allez prendre une vidéo, pas une vidéo trop trop longue. Donc moi je vais prendre un petit clip, hop, un petit clip what the fuck. Donc voilà, je suis en ligne sur Modern Warfare 3, je lance une Semtex sur le gars, voilà, je le colle. Et le mec ne creve pas, c'est très très logique. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc là, après, vous choisissez le moment où vous voulez avoir l'image. Par exemple, si vous voulez voir l'image quand il lance sa Semtex, et ben vous coupez avec S. Et après, vous vous arrêtez jusqu'au moment où il... Attendez, on va pas faire là. On va faire quand c'est marqué... ça va faire boom, voilà. Donc S. Et après, S. Voilà. Hop. Hop. Après, là, on va mettre ça. Voilà, donc là c'est petit. Et après on va aller dans rendre en tant que, et on va aller dans séquence d'image, et on va faire en JPEG ou en PNG, c'est vous qui voyez. Après là on va aller dans parcourir et on va mettre sur le bureau, c'est comme vous voulez dans vos dossiers, enfin moi je vais le mettre sur mon bureau, et on va marquer test tuto, voilà, hop, et on va faire rendre. Ok, d'accord, pourquoi t'as pas voulu rendre toi? Test tuto, rendre. Bon, attendez, je vais juste un peu agrandir le truc. Voilà, je pense que c'est à cause de ça. C'est parce que je l'ai pas assez agrandi le clip. Test tuto. Ouais, j'ai galéré là. Rendre. Ah purée, pourquoi il fait une erreur? Bon, je vous reprends quand ça marche. Et re les gens, donc là j'ai mis en PNG et... Bah, vous voyez que ça c'est fait. Donc, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit de ne pas prendre une trop grosse vidéo. C'est parce que, comme vous le voyez, vous avez beaucoup d'images. Vous avez beaucoup d'images. Alors, si vous faites une vidéo qui dure 10 secondes, vous allez avoir tous les images qui vont prendre votre écran. Donc, là, vous voyez, on a chaque image est différente. Hop, attendez, on va vous montrer. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, vous voyez bien que ça suit. Hein. Donc là, on va prendre la première, on va pas se casser la tête. Et vous voyez que, voilà, j'ai réussi à convertir une vidéo en image. Donc vous allez me dire, mais à quoi ça sert ton truc? Donc ça sert tout simplement à réaliser des miniatures vidéo comme celle-ci. Hop. Hop, ça bug. Ouh! Voilà. Voilà, donc là, regardez, j'ai réussi à faire une miniature avec l'image. Donc après, ça peut vous servir à d'autres trucs, mais je vois pas à quoi. J'espère qu'en tout cas, ce tuto vous aura plu et qu'il vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire, que ce soit une critique constructive ou un encouragement. Donc voilà, merci à MafTuto d'avance s'il m'accepte. Allez, ciao les gens. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye.